Si t'es un frère et tu suis Kim K sur les réseaux, mais tu dors, bro. C'est des influenceurs qui vont t'influencer à aller en enfer, bro. Avec eux, bro. Aujourd'hui, man. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo. Pouah, vous allez pas la file. Yo, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre boy Red Azer aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. C'est déjà, on est là. Aujourd'hui, vidéo super spéciale. Je dis toujours ça, mais comme c'est une autre vidéo comme les autres. Mais bon. Aujourd'hui, je vais en choquer certains. Aujourd'hui, vous n'allez pas aimer la vidéo que je vais faire. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler de quoi? D'un sujet. Je n'ai pas fait de vidéo, je ne sais même pas comment parler. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet important. On va parler de quoi? On va parler des réseaux sociaux. Eh oui, cousin. Eh oui, mon frère. Je parle à toi. Toi, mon frère. Et ma soeur. Mais beaucoup plus les frères. Je vais vous viser. On va parler des réseaux sociaux, des influenceurs, des personnalités, des stars, des. Tout qu'est-ce que tu veux, mon frère, des athlètes. Les réseaux sociaux, c'est une innovation super bien, oui et non. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, moi je fais des vidéos, ok? Est-ce que je suis en train de vous dire, moi je suis le meilleur, suis-moi, j'ai. Non, c'est pour ça que je suis en train de dire, ok? Je suis en train de dire que, mon frère, je pense que je vais être le plus clair, correct, que... le plus clair. Je vais être le plus précis que je peux, le plus clair, clair comme de l'eau de roche, mon frère. Si t'es un frère et tu suis Kim K sur les réseaux, mais tu dors, bro. T'es un frérot, t'es un musulman et tu suis Kim Kardashian sur les réseaux. Tu sois Kim K. Frérot, cette vidéo est pour toi. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi. Bon, la famille, les gens que vous suivez, les gens que vous suivez sur les réseaux sociaux vont être un reflet de vous, vont être un reflet de vous-même. Et je vous explique pourquoi, ok? La vérité, c'est que maintenant, en 2022, on est des finished. On est des finished sur notre téléphone comme ça tous les jours, ok? Même moi, ho. Moi, je suis pas un exemple, je suis pas comme ça, ho. On est comme ça tous les jours, dans les toilettes, dehors, dans le bus, à la maison, pendant qu'on est en train de manger, pendant qu'on est dans la voiture, partout, frère. On est des accros, on est des robots, frère. On aime trop notre téléphone. Notre téléphone, on l'aime trop. C'est la vérité. On est toujours sur notre téléphone. On est sur Insta, on est sur TikTok, on est sur Snap, on est sur Facebook, on est sur YouTube, Facebook. Facebook? Facebook, c'est pour les vieux, ho. On est sur YouTube, wesh, bref, tu m'écoutes. Twitter, bro, Snap, on est partout, frère, et on est actif et on est des consommateurs de médias visuels, bang, 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 tous les jours. Ok? Et le problème se pose là, ok? Si tu suis des personnes qui sont dégueulasses, ok? Ça, c'est le mot le plus propre que je peux utiliser, dégueulasse. Vous allez finir par être comme eux, frère. T'es un frère, bro. T'es un musulman. Tu suis des femmes qui sont toutes nues. Frérot, il n'y a que ça que tu likes, il n'y a que ça dans ton following. Frérot, qu'est-ce que tu es en train de faire, bro? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Nous, on est des musulmans, on est supposé être clean, frère. Vous suivez des influenceurs. Des influenceurs, frère. Tu comprends ce que je veux dire? Tout ce que vous avez dans votre homepage, tout ce que vous avez dans vos pour-toi, dans votre FYP, dans votre Explorer, dans votre Explore homepage, ok, c'est quoi? C'est des femmes et des hommes qui sont des influenceurs, qui sont connus plus ou moins, ok? Ils vous montrent que trois choses, ok? De l'argent. Luxury, you know, Dubaï, Miami, whatever you name it, Bora Bora. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est pas une mauvaise chose de vouloir avoir des beaux trucs et tout, tu comprends? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est pas ça le goal. On est des musulmans, c'est pas ça qu'on devrait avoir comme exemple de personne à suivre, tu comprends? En tout cas, ça, c'était juste un exemple. Money flashing, papa, pa, richness, Louis Vuitton, Versace, designer, Rolls Royce, bang, 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 la jib. Bang, 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 bang. Ensuite, c'est quoi? Nudité, sexuelle, pas d'aura, les femmes tout nues, les gars qui montrent, qui mettent des shorts comme là. Jusqu'à là, bro, je comprends même pas d'où ça sort cette mode. Oh, ils vous montrent des affaires, vous checkez. Tu penses que t'es comme, oh, moi je fais pas faire ça, frérot. Tu regardes tous les jours la même chose. Ça va t'affecter ton cerveau. Ça va t'affecter toi comme personne. Ça, c'est un. Sexualité. Trois, party. Party life. Ouais, nanana, beach party. Oh, bro, même, comme, on peut pas se mentir à nous-mêmes. On est en train de suivre des trucs toxiques pour nous. Pour notre iman. Nous, on est des musulmans, ok? Pour notre iman, pour préserver ta foi, si tu suis des gens comme ça, tu ne pourras jamais préserver ta foi. Parce qu'à chaque fois que tu regardes des affaires, ça va influencer ton cœur. Tout ce qui passe par les yeux, ok, écoute, écoute bien ça, écoute bien. C'est pas moi qui le dis, ça c'est un alim, j'ai oublié son nom, ok, parce que je suis pas, parce que je suis nul. Il y a un alim qui a dit, tout ce qui passe par les yeux finit par affecter le cœur. Et c'est trop vrai, man.
fois, c'est trop vrai. Subhanallah, subhanallah, c'est un truc de fou. Donc, le plus que tu consommes ce genre de choses, le plus que tu vas vouloir devenir comme eux, ok, excessivement matérialiste, comment dire, tu n'auras plus de haya, tu n'auras plus de modestie parce que tu vas t'exposer ton corps à toute la planète Terre. Et trois, tu vas vouloir faire des trucs for fun, yeah, c'est pas grave, moi je vis ma vie, je vais aller faire du haram, zina, alcool, bang, tu sais, frère, tu sais pas, frère, tu penses que tu vas être fort, mais ro, doucement, doucement, c'est ça le piège du diable, ro, doucement, doucement, tu consommes ce truc-là, ro, tu consommes ce filth, tu consommes ce, comment je dis ça en français, tu consommes des trucs qui sont dégueulasses, tu comprends, qui sont pas bien pour toi, frère, c'est pas bon pour ton âme, c'est pas bon pour ton âme, et bien à la fin de la journée, frère, tu finiras par devenir pourri, bro, tout comme eux. Ils vous montrent, premièrement, les gens, moi je suis sur les réseaux, ok, et ça fait 2 ans que je suis sur les réseaux, et je peux vous dire un truc, moi je suis pas la meilleure personne, bro, si tu veux pas me suivre, suis-moi pas, c'est pas grave, bro, c'est pas grave, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que, au moins, aie un petit critère de sélection de c'est qui que tu suis sur ton Insta, sur ton TikTok, frère. Si tu suis des gens qui sont, comme je vous ai dit, toujours en train de faire la fête et tout, en tant que musulman, t'es pas un gars qui fait ça, frère. T'es pas supposé faire ça, j'espère. Ou bien des influenceurs qui sont en couple et qui font des dramas et des trucs. Nous, on n'est pas comme ça, frère. C'est pas l'identité d'un musulman, tu vois ce que je veux dire? Et ben, bien sûr, je veux pas parler des drogues et tout, tu vois, des rappeurs qui fument et tu vois, tu comprends ce que je veux dire, les belles voitures. Encore une fois, c'est pas une mauvaise chose d'avoir de l'argent et de réussir financièrement sa vie, tu vois, mais pas comme ça. Pas comme ça, et tu vois pas le flash. Les gars sont en train de flash, bro. Les gens sur les réseaux, ils ont quelque chose à prouver, tu comprends? C'est une validation, c'est un statut. Tout ça, c'est un cover, c'est juste une page couverture qui est la meilleure version de eux-mêmes. Sur papier, frère, sur papier, sur écran, il te montre un truc qui n'est pas nécessairement la vérité, ça c'est un. Et moi je vous assure que tous ces gens-là que vous followez, les stars, Kim K, Walt Kardashians, Kendall Jenner, whatever you name it, Wiz Khalifa, whatever, je suis en train de dire des noms comme ça, frérot, des influenceurs bizarres dans les anges, je sais pas quoi, ok, parce que yo, l'Europe, je sais beaucoup de gens de l'Europe me suivent, les anges, je sais pas quoi, télé-réalité, c'est un bail. Vous pensez peut-être qu'ils sont heureux, mais vous, vous voyez juste qu'est-ce qu'ils vous montrent. Mais peut-être ils sont pas heureux du tout, frère. Même avec tout l'argent du monde, frère. Tout l'argent du monde, frère. C'est pas ça notre modèle à suivre. Vous savez, vous devez suivre qui? Vous devez suivre les gens qui ont une vie qui est exemplaire. Une vie qui quand tu les vois, t'es comme, Masha'Allah, tu comprends? Tu veux te rapprocher de ton dîn, des gens qui sont dans le dîn. Encore une fois, bro, moi je suis rien de sérieux, bro. Moi je suis pas un exemple, bro. Va suivre les machaires si tu veux, bro. Mais il y a des bons gars, bro. Il y a des bonnes personnes. Il y a des gens, ils font des trucs vraiment nice, ils aident les autres, tu vois. Ils font des trucs cool. Et des fois, ils sont financièrement bien et tout, tu vois. Mais c'est pas comme American Dream Lifestyle, gangster, flashy, comme on essaie de le montrer, comme on essaie de nous l'imposer. On veut pas, c'est pas ça notre but. Nous, notre but, c'est d'aller au Jannah. Notre but, c'est d'aller à Firdaus al-A'la. Notre but, c'est d'être la meilleure version de nous-mêmes en faisant le moins de péchés possible. Et tu peux faire ça et avoir, et voyager, et avoir de l'argent, et avoir une belle famille, et être dans ton dîn, et pas faire des trucs bizarres pour des likes, et pour des followers, et pour le buzz, et tout. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, cette vidéo, elle était un peu courte, c'était ça que ce que je voulais dire. Soyez à la famille. Faites attention à qui vous suivez. Ces mêmes personnes-là que vous suivez peuvent vous amener en enfer avec eux. Wallah l'adim, bro. C'est des influenceurs qui vont t'influencer à aller en enfer, bro, avec eux, bro. Parce que tout ce qu'ils montrent, ou bien la grosse majorité de ce qu'ils montrent sur le réseau, c'est du haram, bro. C'est du haram, bro. Je vous dis, man, straight up. Moi, je vous dis ça, la vérité. Donc, la famille, faites attention à ce que vous regardez. Ce que je veux que tu fais après cette vidéo, juste s'il vous plaît, mets-moi en commentaire si tu l'as fait, va dans ta page d'abonnement et fais un petit clean-up, un petit nettoyage. Un petit nettoyage de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, tu vas le savoir toi-même. Cette femme-là, bon, ça sert à rien, je l'unfollow. Ce gars-là, pourquoi je le suis, man, il fait des trucs bizarres en plus, là, ouais, c'est une star, je l'aime bien, nanana, on s'en fout. Tu unfollow, tu désabonnes. Tu comprends ce que je veux dire? Et Inch'Allah, et abonne-toi à des trucs qui sont bien. Et comme ça, Inch'Allah, tu verras un changement dans ta vie. Faites attention à qui vous suivez. Les gens que vous suivez sur vos abonnements seront une représentation de vous-même. Je vous l'assure. Et c'était Red Azer avec une nouvelle vidéo. T'as aimé, t'as pas aimé, je m'en fous. Mets un like, mets un commentaire. Partage la vidéo, on est là, c'est Red Azer le vrai, on est back avec une nouvelle vidéo everyday. Non, c'est pas vrai, pas everyday, mais 2, 3, 4 jours, on essaie de faire des soirs, we back at it. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.